Stéphane Bern, secret d'histoire. Gilles de Rais était-il un tueur en série? Chevalier du Moyen-Âge, illustre compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Gilles de Montmorency-Laval, baron de Rais, est plus connu dans l'histoire par la face sombre de sa personnalité, celle qui le fera condamner, en 1440, à être pendu pour sodomie, meurtre d'enfants et sorcellerie. Voici l'histoire fascinante de ce personnage controversé aux multiples facettes. Charles Perrault s'inspirera de ce monstre infanticide pour créer le personnage principal de son fameux conte, La Barbe Bleue. De tout temps, la littérature s'est nourrie de cet homme énigmatique et, après Michel Tournier, c'est au tour de Pierre Combesco de se pencher sur le destin controversé de celui qui justifiera ainsi ses crimes, pour mon plaisir et ma délectation charnelle. À Nantes, le matin du 26 octobre 1440, après une messe à la cathédrale, Gilles de Montmorency-Laval, seigneur de Rais, est pendu, puis partiellement brûlé, avant d'être inhumé dans l'église du monastère des Carmes. La veille, le tribunal, présidé par le procureur et sénéchal de Bretagne, Pierre de l'Hôpital, l'a condamné à mort pour crime contre nature, meurtre d'enfants et sorcellerie. Comment ce chevalier du Moyen-Âge, promis à la gloire, a-t-il basculé dans l'horreur et le crime? Gilles de Rais a-t-il réellement commis les crimes qu'on lui impute? Ou a-t-il été victime d'une erreur judiciaire perpétrée par un tribunal de l'Inquisition? Le personnage de Gilles de Rais, né en 1404 et mort en 1440, fascine autant qu'il terrifie, tel l'ogre des contes. Grandiose dans la dépense comme il avait été furieux au combat, il s'illustre par la folie criminelle des actes barbares qu'il commet sur des enfants. Selon la lecture qu'en fit Georges Bataille en 1965 dans Le procès de Gilles de Rais, il est la figure exemplaire d'une époque de la féodalité où la raison balbutiante n'avait pas encore muselé la fête archaïque de la violence. On ne peut comprendre la personnalité de Gilles de Rais si, d'une part, on ne rappelle pas qu'il était un grand seigneur du Moyen-Âge, membre de la famille des Montmorency-Laval, apparenté au duc de Bretagne, et disposant par la naissance de puissantes baronnies et de riches revenus renforcés par une habile politique de mariage. Recevant les héritages successifs de ses parents et grands-parents, il devient un de ces barons des Marches du Maine, de Bretagne et du Poitou, manœuvrant toujours entre le roi de France et le duc de Bretagne, car il se situait, à l'instar des territoires des Marches, entre deux juridictions, donc souvent hors du droit. D'autre part, Gilles de Rais souffre dès l'enfance d'un déficit d'autorité, car il est orphelin depuis l'âge de 11 ans. Élevé par son grand-père maternel, Jean de Craon, à la réputation sulfureuse, Gilles, il signe de son seul prénom, comme les princes, reçoit une éducation guerrière, comme tous les seigneurs de son temps. Riche, puissant et jalousé, il règne sur les châteaux de Chantaussée et de Machecoul. Mais son mariage, en juin 1422, avec Catherine de Thouars, il l'enlève dès le mois d'avril 1420, sans attendre une dispense pontificale, obligatoire car de son cousin au quatrième degré, lui apporte la châtellenie de Tiffauges. Possédant sa propre armée, il la met au service du roi de France, Charles VII, dont la légitimité est pour le moins menacée alors que le royaume est plongé dans le chaos de la guerre de Cent Ans et son cortège de terreur et de pillage. Petit-neveu du connétable Bertrand du Guesclin, Gilles de Rais s'illustre très vite dans le métier des armes. Il devient un héros de la guerre de Cent Ans et assiste à Chinon, en avril 1429, à l'arrivée de Jeanne d'Arc, dont il va devenir l'un des principaux capitaines. Devant Orléans assiégé, il est volontaire pour une mission dangereuse, consistant à traverser les lignes anglaises pour faire entrer des vivres dans la ville. Persuadé que Jeanne est envoyée par Dieu, il se met à son service, lui sauve du reste la vie pendant le siège d'Orléans, se distingue aussi lors de la prise de Jargeau et lors de la victoire de Patay. Il occupe l'une des toutes premières places lors du sacre de Charles VII à Reims, le 17 juin 1429. Nommé maréchal de France en reconnaissance de ses services, il a le privilège d'aller chercher la Sainte Ampoule contenant le Saint-Crème à l'abbaye Saint-Rémy de Reims pour que l'on puisse procéder à l'onction du roi. N'est-il pas au comble de sa grâce et de la faveur royale lorsque le souverain lui accorde la transformation de ses armes pour qu'il puisse faire entourer son blason d'un semis de lys d'or sur champ d'azur? Le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc est arrivé au sommet. La condamnation de Jeanne et sa mort sur le bûcher vont faire basculer le destin de Gilles de Rais du côté des ténèbres. Pour lui, la sainte a été trahie. C'est la pureté que l'on assassine. Le héros va devenir un monstre, plus redoutable encore que son grand-père, Jean de Craon, qui, protégé par l'impunité en temps de guerre, offrait l'horrible spectacle de la perversité assumée. Lui qui se vantait d'enlever des jeunes filles et de les soumettre. Tyrannique, violent, sournois comme l'était son aïeul, Gilles de Rais est cependant moins cupide, moins avare.
mais sa prodigalité le rendra lui aussi insatiable. En se retirant sur ses terres à 28 ans, après la mort de Jeanne, le 30 mai 1431, il avance inexorablement vers la déchéance. Gilles mène grand train, dépense sans compter, notamment pour soutenir sa garde de deux cavaliers, pour entretenir sa suite pléthorique de serviteurs, pages, musiciens, enfants de chœur et chapelains, ou pour faire représenter à grands frais des fresques historiques, comme le mystère du siège d'Orléans, joué pendant un an au prix de 80 000 écus. Pour financer ses lubies, il doit vendre des terres à l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, ou céder au duc de Bretagne, Jean V le Sage, ses palaces de Mauléon, Saint-Étienne de Mermorte, Pornic ou Chantaussée. Les ressources financières de Gilles de Rais n'y suffisant plus, il cherche le moyen de refaire sa fortune. Il commet l'erreur de se tourner vers des astrologues magiciens et, pensant trouver avec eux le secret de la pierre philosophale, se lie à des charlatans qui se jouent de sa crédulité. Renonçant alors à l'alchimie, il se lance à corps perdu dans la magie avec un prêtre florentin, François Prelati. Dès lors qu'il a perdu tout espoir de fabriquer de l'or, il se tourne vers les sciences occultes, pratique la sorcellerie pour invoquer les esprits et, au cours de ses cérémonies rituelles, commence à pratiquer des sacrifices. Le cap est franchi. Gilles de Rais va vraisemblablement commettre des actes pédophiles et des infanticides au cours d'horribles débauches dont se rendent complices ses amis Gilles de Sillé et Roger de Bricqueville. Grâce à un système de rabatteurs, les jeunes enfants des villages sont placés comme pages chez Gilles de Rais en échange de quelques pièces. Mais que se passe-t-il réellement derrière les hautes murailles des châteaux fortifiés? Il se murmure que, pour satisfaire le baron, on lui sacrifie des cœurs d'enfants, des membres ou des yeux. Une erreur va lui être fatale. Gilles de Rais devient un rebelle au regard de la loi. Voulant récupérer la châtelainie de Saint-Étienne de Mermorte, qu'il avait vendue au trésorier du duc de Bretagne, Guillaume le Ferron, Gilles va investir l'église le jour de la Pentecôte, le 15 mai 1440, en menaçant d'une hache le malheureux Jean le Ferron, frère du trésorier, pour qu'il lui abandonne la forteresse. Non content de violer les privilèges de l'église, Gilles de Rais vient de se rendre coupable d'insubordination envers son suzerain, le duc de Bretagne. Le 13 septembre 1440, l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, cite Gilles de Rais à comparaître pour être entré armé dans une église et avoir molesté et arrêté un homme liege du duc de Bretagne pendant l'office. Se laissant capturer sans opposer de résistance, Gilles de Rais ne connaîtra que le 8 octobre les véritables chefs d'inculpation qui lui sont signifiés au terme d'une longue enquête recueillant maints témoignages sur les disparitions de quelques 140 enfants, sodomie, sorcellerie et assassinat. La machine impitoyable est en marche, dans la pure tradition de la Sainte Inquisition. Reconnu coupable d'avoir transgressé la loi, il a donc commis un crime de lèse-majesté divine. Il sera ainsi excommunié. Effrayé, il se résout alors à faire des aveux qui horrifient l'assistance. Le 22 octobre 1440, d'autant qu'il reconnaît, par avance, la véracité des témoignages de ses valets, qui, soumis à la question, l'accable. Il y a peu de preuves matérielles, pas de corps. Il sera pourtant condamné à être pendu et brûlé par jugement le 25 octobre 1440. Depuis lors, certains ont vu en Gilles de Rais le précurseur abominable des tueurs en série pédophiles. D'autres, comme Jacques Chiffolo, soulignent qu'il a eu droit à un procès typique de l'Inquisition du Moyen-Âge, où l'aveu était la reine des preuves. D'autres vont plus loin. Pour Jean-Yves Gault-Brissonnière, si Gilles de Rais a commis des crimes, il n'a pas commis ceux pour lesquels on l'a condamné sans preuve. D'ailleurs, en novembre 1992, un tribunal composé de personnalités éminentes s'est réuni au Sénat, à Paris, pour procéder à une révision du procès, au terme duquel Gilles de Rais a été jugé non coupable et réhabilité sur le champ, sans que cela ait la moindre valeur juridique. Quoi qu'il en soit, pour l'histoire, il est à jamais condamné au purgatoire, et réduit à l'image peu flatteuse de Barbe Bleue, qui n'a pourtant rien à voir avec la réalité déjà peu glorieuse de ce que l'on reprocha à ce seigneur de mauvais gouvernement.